peuple haïtien dit le Bana a fait élection avec Richie, ça n'a aucune condition qui remplit bien l'élection. Je vais vous donner un exemple. Donc on est déjà en 2015, sans songer à l'élection Gensoulia. L'élection Gensoulia. Oui, je vais vous donner un jeudi. Et ça, nous avons fait partie d'un groupe qui était aidé, TAP G8, organisé mobilisation. Il était jeudi, quand le groupe sortit en position, il est attaché avec question pour l'élection en fait dimanche. Nous faisons radio, nous faisons conférence, nous dit non, pas de l'élection dimanche, 22 janvier. Nous sommes chez ça, ça qui est passé. Le peuple a sauté dans la rue, il a crassé l'élection. Je dis, il y a plus de conditions qui remplissent dans le pays. Pour ça, on a parlé de parler là, pour mobilisation, pour une dimension nationale. Ça ne va pas faire ni chaud, ni fait, tout est bête, qu'est-ce que c'est. Volonté populaire, nationale, majoritaire, opposée avec le régime perche qui est la deuxième version. Pas d'aucun acte qui va le poser, il ne va pas l'accepter. N'a pas de les moyens démocratiques, notamment la mobilisation citoyenne qui dépasse les clivages idéologiques de la mobilisation permanente. Est-ce que l'insécurité a été préoccupée ou pas? Nous sommes parlé de ça dans le malheureusement, ça sont non, l'autre. Non, tout insécurité sont un élément important pour nos chitas. Nous faisons mobilisation. Nous sommes tout mobilisation n'a pas dépassé contre l'insécurité. Contre l'institutionnalisation de la corruption, contre la terreur. Oui, donc, c'est contre l'ensemble des bagages. Qui genre pour notre société, pour insécurité, planifier ça, organiser, pas structure dans l'État pour ne pas occuper nos citoyens. C'est tout le monde qui joue, lui. C'est ça, nous ne sommes pas là. Oui, après, on va faire pas la vie de travail. C'est ça, nous sommes là. Oh oui. Ah oui, nous déplier comme deuxième vague là. C'est avec un pile, on a dit tristesse. Nous même en deux mouvements Haïti Campé, on a regardé comment pouvoir en place ça. Les mettre en KIP unilatéral sans le pas tenir compte de représentativité et légitimité secteur. Normalement, la constitution est claire sur ça. 9 secteurs qui doivent représenter le niveau KIP. Mais nous regardons la décision prend de manière unilatérale sans pas tenir compte de l'ensemble des secteurs. Maintenant, la décision ça sont décisions qui déjà annoncé des crises. Parce que si à la base CEPA les contester, et nous avons une politique là qui fait à travers un jeu d'acteurs, donc un ensemble d'acteurs qui dans l'espace politique là, et c'est juste ça qui bah politique là toute essence. Maintenant si à la base CEPA les contester, nous comprenons que quelle que soit élection il y a le faire, si on arrive à faire, la contester. Quel que soit la gagne des élus, il y a contesté. Nous songeons ça qui est passé dans le pays récemment en 2000, élection 2000, qui t'a mal expliqué tout un cycle de crise qui va même aboutir avec 2004. Ça veut dire, je dis à moi, parce que pouvoir, c'est, nous t'avons dit, c'est on dit feu qui là, et puis le continuer à mettre des gaz sur lui. Donc, pas gain à venir pour CEPA, et peut-être activité ça en a fait là, je dis à qui c'est Voix Jeunesse. Majorité, plus de 65% de la population, c'est jeune. Donc, toute crise politique, toute crise sociale, tout problème pour casser, c'est d'abord. Jeunes qui sont victimes, ces jeunes qui continuent à quitter le pays, ces jeunes qui chaque jour continuent à vivre dans la précarité économique. Donc, je dis à CEP, ça a augmenté, son CEP, ça a venir, son CEP qui pas visé vraiment pour nous organiser des élections libres, honnêtes et crédibles, et nous connaissons déjà dans qui pays nous vivons. Toute dynamique électorale, généralement, il y a toujours débouché sur des crises politiques. Donc c'est avec un pile qui est sauté, avec un pile qui est serré, que le mouvement Haïti Campé l'a dénoncé façon même pouvoir en place là, monter en CEP de manière unilatérale. Pour nous avoir une Voix Jeunesse en même temps, est-ce que nous connaissons un représentant de la jeunesse au niveau du conseil électoral provisoire journal là? Est-ce que vous avez consulté nous-mêmes en tant qu'union organisme qui fait partie du secteur jeunesse? En fait, Voix Jeunesse comme initiative qui lance aujourd'hui, c'est une somme d'ensemble organisations qui bataillent sur le terrain. Donc, nous ne pas joindre
aucune invitation. Et par rapport à la façon de pouvoir décrire là, Voix Jeunesse n'est pas rentrer, à porter support encore, à le pouvoir bourade dans des masses. Donc Voix Jeunesse, c'est une initiative qui a pour dresser un cahier de doléances. Parce que M. Jody a, ensemble secteur a demandé changement de système. Système dans son arrangement qui fixe ensemble objectif. Et objectif ça aussi au banou insécurité, c'est au banou précarité économique, c'est au banou instabilité, c'est au banou toute jeune qui a quitté le pays. Donc je dis en dedans Voix Jeunesse, une n'a rien demandé c'est que ensemble objectif qui m'a rendu système dans c'est regarder. Parce que le ministère de l'Éducation nationale fait qu'on est bien plus passé 88% dans le secteur éducatif là, c'est le secteur privé à contrôler. Donc c'est seulement 12% que l'État lui contrôle. Et même 12% l'État contrôle, regardez qui s'est passé récemment avec les élèves. Ça veut dire que nous avons un pays côté que injustice sociale, inégalité sociale, c'est au café rage. Par année, nous avons entre 5 à 600 000 timons. Moins de 12 ans, monsieur, qui ne peuvent pas rentrer à l'école. Ça veut dire sous plan éducatif, son pays sans avenir par le fait que nous connaissons. Tout pays pour le développer, il faut utiliser capital humain. Non. Et jeunesse, là, ça doit servir comme étant capital humain pour développer le pays. Mais si nous regardons et sous plan économique, et sous plan social, et sous plan politique, jeunesse n'a pas intégré la société. Jeunesse n'a pas représenté. Maintenant, je dis à nous-mêmes, en de Voix Jeunesse, ensemble, organisation qui mettait ensemble pour camper Voix Jeunesse, son façon pour nous dire non, faut objectif système là, il faut redéfinir, faut qu'il redéfinit droits socio-économiques sur tous les jeunes, parce que nous pas qu'à nos pays pour majorité, il y a plus passé 65% ces jeunes, et puis jusqu'à présent pour vivre en majorité société. Donc c'est ça l'idée Voix Jeunesse là, c'est route li ça. Mais nous pas de prétention et comme initiative encore comme mouvement pour que nous allons représenter dans ces pays. C'est pourquoi ça, parce que solution pays n'est pas élection seulement. Oui, nous non pays démocratique, nous connaissons qui rôle élection jouée pour renouveler personnel politique, mais élection pas seul moyen pour retirer pays dans Zalia. Et Voix Jeunesse là, nous lançons appel pour nous faire toutes jeunes dans le pays à connaître. Je dis à toute bataille qu'a fait dans le pays à jeunes, nous devons comme garant. Bataille contre corruption, bataille contre insécurité, bataille pour nous redéfinir le système, non, c'est jeunes qui devons garant. C'est pas une bataille pour aller prendre pouvoir, mais son bataille pour nous dire fuck la loi respectée, fuck bon l'autre société, fuck bon l'autre État. Et ça fait trois points angulaires mouvement Voix Jeunesse là, c'est d'abord une autre société, un autre système avec un autre leadership. Donc Voix Jeunesse à l'éclair, nous pas vraiment marrer saucisse nous avec aucun pouvoir corrompu, au contraire nous avons des marches pour nous demander une autre société. C'est Delson Sirius, c'est coordonnateur MAC, nous c'est un initiateur et mouvement Voix Jeunesse. Merci. Nous disons, groupe représentatif dans le pays qui est habitué à participer dans vos candidats pour faire conseil électoral provisoire, tout groupe représentatif ça, qui connu, qui a antécédent, qui a dossier, tout groupe ça refuse de participer dans la mascarade pouvoir. Nous avons dit tout, et nous avons toujours dit que le pouvoir qui peut faire un conseil électoral bidon. Et c'est ça le fait là, Kounier. Mais ne pas contenter de faire un conseil électoral bidon avec les gens qui ne sont pas représentatifs, avec le groupe qu'il fabrique lui-même. Il a un mandat qui est totalement inconstitutionnel. Côté que l'imandeo vous a fait référendum de la Constitution. C'est un bagage totalement inconstitutionnel. Et il n'est pas content de ça toujours. Il m'a réélu avec un mandat électoral. Côté que sous mandé au Kounia, dans deux bagages, qui laisse qui commande l'autre, je ne sais pas quoi répondre. C'est ça qui fait nous dire que le président a perdu le contrôle de l'événement politique. Donc le président est arrivé dans le niveau ça. Il n'a pas qu'à distinguer ce qui est intérêt de la souveraineté nationale.
Il n'y a pas de distinguer ça qui est constitution, ça qui n'est pas la constitution. Il n'y a pas de comprendre la limite du pouvoir de transition que le gain amène là pour nous. Il comprend que le chita sous baïonnette qui n'amène là. Et nous tous connaissons le chita sous baïonnette, ça qui a passé. Donc, position mon porte, pas jamais changer sous baïonnette. Nous-mêmes, nous pas jamais. Dans la politique violence, nous ne pas jamais dans la politique contre l'état de droit, pour ça n'a pas boumé. Et c'est ça qui autorise nous, qui bat nos forces morales et capacité pour nous dénoncer les bagages à eux, les passés, les passés. Au niveau de l'opposition, est-ce que il y a des dates qui arrêtent déjà pour reprise mobilisation à travers la rue, puisque dans pile monde qui dit nous sommes dans l'expectative. Et que ça travaille à Média n'a parlé pour le boulevard devant Jovenel Moïse pour l'agir. Bon, je m'appelle introduire le mot. Essence conférence de presse, comment c'est ça lui-même? Côté, non côté, où tu as avancé avec mobilisation, où il y a non point, où on nous compte de deux bagailles, où il y a une société civile là qui voulait rentrer dans la bataille. C'est pays au lieu de nous. Nous pas qu'à dire bataille là, c'est bataille classe politique, société civile pas la donne. Donc job là, c'est créer espace pour que tout le monde participe dans le fond des pays. Donc c'est ça que job là. C'est ça qui a l'impression que mobilisation suspend ou bien pas un calendrier mobilisation. Mais c'est base qu'a posé justement pour reprendre mobilisation sur de nouvelles bases. Dans nos potes, par exemple, nous-mêmes, mobilisation, c'est l'essence de nos potes. Ça veut dire que nos potes, habitués avec la situation pays à gagner là, et nous toujours dit que si vous voulez une réponse à des problèmes que le gouvernement n'a pas voulu faire réponse, ou pas qu'à faire réponse, c'est mobilisation du gouvernement. On va ajouter. Alors, parti mobilisation est campé, non? Mobilisation pas campé. Groupe qui a manifesté dans la rue, c'est mobilisation la fait. Dans des biens coordonnateurs, surtout, pour nous-mêmes dans mon porte là, la mobilisation doit être permanente. Nous avons une démarche consensuelle. Il y a une discussion qu'a fait entre groupes politiques et société civile. On va venir monter là pour nous venir faire un calendrier. Pourquoi nous, même si nous avons des dates, nous avons des schémas dans la tête, nous travaillons avec plusieurs groupes et puis nous avons un calendrier d'activité sur l'ensemble de groupes. Qui je vous parle de mobilisation de pays? Au constitution que j'avais amendé et puis au président mettez dans le conseil électoral là pour le faire référendum pour le dire que j'en veux modifier la constitution. Bon, qui j'en veux citoyen d'arrêter un pays pour aller pour nous parler mobilisation. Qui j'en son élément mobilisateur n'a pas travaillé. C'est le bail de l'autre pays. Parce que tout dit. Parce qu'en 2017, pardon, en 2018, on dit ça. Et puis le bail arrive au côté. Mobilisation sur ma équipe graduelle. Donc, toujours dans la rue à nous-mêmes. Que ce soit les étudiants dans la rue, l'autre groupe dans la rue, nous toujours. Oui, donc toujours dans la rue. Alors, chef coordonnateur, je veux dire, mobilisation, c'est même nous. C'est la mobilisation. Mon pote prend naissance. Mobilisation sur ma équipe fait pour permanente pour nous-mêmes. Nous avons poursuivi. Et discours approprié, pas de route, pas de voie. Mobilisation, il y a des objectifs clairs. Un, départ Jovenel Moïse. 2. Gouvernement de transition. 3. Procès Petro Caribe, procès tout le monde. 4. Qui nomme mon pote là l'organisation de la conférence nationale souveraine défendue par l'honorable sénateur Tunep Delpé. Nomme Tunep Delpé, c'est mon pote. Nomme mon pote, c'est Tunep Delpé. Donc, frère haïtien, mon don du Ralvini. Mais je dis à. Comme on va arrêter sur les réseaux sociaux pour envoyer un message. C'est pour descendre la terre. Oui, descendre la terre. Affiché. On a mobilisé parce que ça là,
Parce que nous avons un pays, citoyens et citoyennes, qui acceptent ça. Je veux dire, nous sommes mal à Tibonine, il faut négocier avec le groupe Samien. Si nous sommes mal à la Banque Centrale, il faut négocier avec le groupe 400 Marozo. C'est des éléments mobilisateurs. La promesse pour nous construire une mobilisation, nous mettons des peuples haïtiens. Kébéla, prends confiance. Très prochainement, nous avons l'arrière pour des bons. Merci. Et objectif conférence de presse matin, hein, c'est trois bagages. Première, c'est une protestation officielle. Deuxième, non, c'est un constat historique. Et troisième, non, c'est lancement d'une opération trois têtes, mon code à faire. Concernant la protestation officielle, nous venons du ministère de l'Éducation nationale. Ça a passé avec les professeurs, ça a passé avec les syndicats professeurs, Jean y a mené relation avec les professeurs, avec les syndicats. Nous protester contre la façon dont fait là. Nous pas d'accord avec la façon là. Et nous pas tolérer la façon là. Job ministère de l'Éducation nationale, c'est pas l'instruction, c'est pas l'éducation, c'est faire recherche scientifique, c'est mettre innovation pour créer richesse dans le pays. Job là, c'est pas vouer mandat par les professeurs. Job là, c'est pas faire arrêter les professeurs. Il y a une loi en un pays pour ça. Si il y a un problème avec la loi, appliquez la loi. Mais on a dit, professeur, ce n'est pas n'importe qui. Nous-mêmes, tous les professeurs. Professeur Mérilien n'est pas n'importe qui. Donc, on ne peut pas humilier nos questions de mandat. Vous voulez arrêter, vous voulez arrêter, vous voulez arrêter l'autre. Il y a des gens qui vont passer pour faire arrestation. On ne peut pas humilier, professeur. Donc nous protestons énergiquement contre Baïza. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous disons ministère, prenez la route la prend son mauvaise route et nous ne pas qu'à suivre lui dans la route. Deuxième objectif, conférence matin, c'est constat historique. Là. Ça nous est le constat historique. C'est que nous disons. Un coup d'État qui a préparé là pour basculer le pays à une dictature. Coup d'État, c'est là, il y a plusieurs phases là-dedans. Bon, première phase qui fait déjà, ou bien nous la donne là toujours, c'est la phase machine la mort. Donc, c'est qui rentre dans le préparatif coup d'État. Bon, deuxième phase, c'est la phase institutionnelle là. Côté que vous avez mis en place, c'est le bidon. Vous avez fait la constitution. Vous avez sorti 200 décrets dans un petit temps qui est très court. C'est la phase institutionnelle pour préparer le coup d'État. Et la troisième phase, là, évidemment, c'est la mise en place réelle du coup d'État. À partir de l'élection bidon que vous comptez faire. Nous-mêmes, nous disons, comme nous dans la deuxième phase, la première. Étant donné que nous constatons que le président pays a perdu le contrôle événement politique. Ah, ça veut dire perdu le contrôle événement politique. Le président, vous levez main, vous prêtez serment pour faire respecter la Constitution et pour faire appliquer la Constitution. Donc, mon président, c'est le dernier monde qui a le droit de prendre l'initiative pour changer la Constitution. C'est peut-être ça dans la Constitution. Il prévoit ça a une procédure d'amendement pour la Constitution. Kounia, nous dit le président, fait du contrôle événement politique. Parce que on l'a li en dans la Constitution. On l'a li dehors la Constitution. Et qu'on troisième l'a. Cracher sous constitution.
Donc, dans une situation comme ça, lorsqu'un chef d'État qui perd du contrôle l'événement politique là, il y a un vide dans la tête de l'État. Vide là, c'est ça, M. Doval Rile, il n'y a pas ni administré ni dirigé. Donc, vide ça, classe politique là, société civile là, les a obligés à rentrer dans la bataille parce que c'est l'intégrité territoriale du pays qui est menacée. C'est l'existence du pays qui est menacée. C'est la souveraineté nationale là même qui est menacée. Ou qui est en well d'ailleurs, la souveraineté nationale là tellement menacée. Ou il vient au point qu'on y a, ou joint tweet cap sorti, cap dit ou, mais qui ça tel ambassade vle, mais qui ça tel l'autre président vle pour le pays. Ya. Nous pas qu'à quitter un pays descendre dans le niveau ça. Donc, nous dit, crise ou gen là, les politiques c'est vrai, mais c'est une crise de société en même temps. Donc ça fait nous plaisir, là nous, il y a un pile groupe organisé qui refuse de voir les gens dans ces pays bidon. Ils disent publiquement son responsabilité que vous prenez et nous demandons la population. Mounzaïo, il faut qu'il appuie pour permettre que vous résistez devant le pouvoir. Deuxième bagaille nous dit, lorsque vous avez vide samedi à notre tête pouvoir, eh bien, pays a en danger. Donc, un citoyen, une citoyenne, il doit assistance à pays en danger. Donc, il fait ça. Indépendamment des considérations politiques, les faits pour qu'on ait un pays en danger et pour prendre disposition pour ça. Donc c'est peut-être ça nous dit. Lorsque il y a un pile groupe qui a rentré dans la bataille, qui a prononcé, qui a dit ça, qui a fait là, c'est intolérable, c'est insupportable, nous dit, bah, ça, sont forces liées, c'est pas. J'ai un peu le monde comprendre la division qui gagne en mi-temps. Ce n'est pas division du tout. C'est une diversité qui est liée en dans le mouvement. Et le job là, c'est canaliser toute force pour venir plus fort. Ceux qui te vaille que vaille, ils affaiblissent. Mais ceux qui canalisent la diversité à son bon bagage. Donc c'est dans ça que nous y sommes. Qui a l'impression que mobilisation baissée, mais son étape que n'a passé avant pour retourner dans mobilisation. Troisième objectif là, c'est opération trois têtes mobile là. Opération trois têtes mobile là, première tête là, c'est ça nous relais opération Maître Doval toujours vivant. Ça veut dire, nous ramasser pensée politique, M. Doval là. Et pensée politique ça, pour transmettre les jeunes, pour faire atelier, travail sur lui, pour les jeunes manifester, pour discuter, pour comprendre ça aurait les dynamiques politiques en dont société cap changer. Et nous résumer pensée politique ça, il y a quatre bagages très simples. Première, M. Doval nous. Ou pas qu'à gagner une élection sans que ou pas changer la constitution. C'est ça où est la bataille pour la stabilité politique là. Deuxième, non, ou pas capable qu'on fasse CEP sous pas une constitution. Les ACEP n'ont pas besoin de représentatif. Troisième, non, ou pas capable. Al fait ni élection ni CEP sans passer dans la transition. C'est transition qui pour garantir la souveraineté nationale. Là. Et quatrième, non, en dans la transition, il faut qu'on aménage l'espace pour la conférence nationale souveraine. Non. C'est les mêmes qui pour faire participation toute la population en dans le processus. Là. C'est ça pour garantir Paolo Enegab dit tout le temps. Transition de rupture. Ça veut dire pour ne pas tourner derrière encore, mais pour ne pas tourner derrière encore, il faut fermer barrière, il
faut couper pont qui n'en doit pour pas tourner derrière encore. Transition, c'est l'espoir. C'est la deuxième opération au pote. Ça, c'est mise en place. Ça nous est l'autorité départementale de transition dans le département. C'est eux-mêmes qui ont responsabilité pour surveiller que Chaudière capoté dans le sens de revendication du peuple. Donc c'est l'autorité départementale de transition qui pour garantir le bagage. Et c'est ça que mon pote a mis en place actuellement. Troisième proche du feu qui est dans le bagage, c'est ça nous est le 1804 par 2020. Nous avons fait la révolution en 1804. Trois camions d'accord que la révolution n'a pas fini. Donc si nous cohérent avec tête nous, s'il pas fini, faut que nous continuions. Est-ce que j'ai besoin pour nous continuer? Oui, garder ça qui passé pendant 200 ans. 200 ans nous bloquer, nous pas qu'à créer richesse, nous pas qu'à avancer, nous pas tuer l'autre, nous pas qu'à entendre nous pas comprendre l'autre, nous pas qu'on s'annouer comme pays. À ce moment-là, c'est révolution pour continuer. Mais pas qu'à continuer avec même méthode, 1804. Donc, nous partons sous parole Fidel Castro. C'est révolutionnaire qui fait révolution. Nous-mêmes, nous avons un job comme groupe politique pour nous préparer révolutionnaire, pour nous former révolutionnaire, pour faire, pour continuer à la révolution 1804. Donc, c'est trois bagages qui sont opération, trois têtes mobiles là. Première, c'est pensée politique, mettre devant là. Deuxième, non, c'est transition, c'est l'espoir. Et troisième, non, c'est révolutionnaire qui fait révolution. Donc, nous-mêmes, nous dit.